Le côté obscur, c'est en fait une organisation de groupes à travers la France qui lutte pour que le sombre l'emporte sur le clair. C'est-à-dire en fait, depuis très longtemps, on a cru que ce qui était beau était lumière. En fait, la nouvelle force jaillit de l'ombre, des gens qui sortent de l'ombre. Et c'est pour ça qu'on a choisi le côté obscur. Akhenaton, inventa l'humanisme. Le seuil solennel que vous venez de franchir était interdit au commun des mortels. Les hommes sont ainsi faits qu'ils gardent mieux mémoire de l'invisible que du réel. Vous êtes ce soir sur le lieu à la fois le plus fantastique et le plus illustre du monde. Cut, je crois que ces incrédules n'ont vraiment pas compris où est la puissance du côté obscur. Montre-leur maintenant. Ça va pas du tout. D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts. Scratchin. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. Alors on va trouver ce type, le descendre et on sera débarrassé de ce fumier.